Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision. Pour cette dernière édition de NRTV Fait son sport de 2006, je vous propose un petit tour dans le futur avec trois des sports qui portent haut les couleurs de Nyon en Ligue nationale A et B. Alors petit tour de table pour les présenter. À ma droite, nous avons Fabrice Rey, qui est coach du BBC Nyon. À ma gauche, nous avons Stéphane Ferrer, qui est le responsable de la section waterpolo du Cercle des nageurs de Nyon. Bonjour. Et Monsieur Philippe Karst, qui est manager du RC Nyon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, petite question, c'est la pause hivernale, donc ça veut dire grand repas de fête. Vous avez pesé vos joueurs avant de les quitter ? On fait très attention. Alors, c'est vrai que ce sont les repas de fête, mais en tout cas, au waterpolo, on continue à s'entraîner. On a juste une petite semaine de off la semaine prochaine pour justement réattaquer le championnat à la fin janvier de façon fit, si je puis dire. Parce que vous avez arrêté le 26 novembre, vous recommencez le 21 janvier, pas de pause du tout pour vous ? Pas de pause du tout pour nous, on est dans la continuité du travail qu'on a amorcé le 22 août dernier. Donc cette année est une année très très importante de reconstruction et on a changé tous nos programmes d'entraînement, on les a segmentés. On en parlera sûrement tout à l'heure. Mais voilà, c'est une nouvelle ère du waterpolo à Nyon. D'accord, une nouvelle ère, donc sans gras pour les fêtes. Est-ce que c'est pareil de votre côté au rugby ? Vous les avez pesés ? Ils sont encore sur les terrains ? Non, nous on a arrêté courant novembre pour la trêve hivernale. Fête de fin d'année oblige, on en profite pour les engraisser un peu avant de rattaquer l'entraînement, je pense mi-janvier, je crois, pour le premier match le 3 mars. Mi-janvier pour dégraisser, super. Ouais. Et puis du côté du basket, ça se tient comment ? Il y a des entraînements, il n'y a pas d'entraînement ? On s'arrête ce soir et on reprendra le 3 janvier pour le décrassage. Pour le décrassage, donc ils ont la porte libre pour... Non, certains devront manger, oui, c'est sûr, d'autres un peu moins. D'autres un peu moins. Mais la question, elle n'est pas complètement anodine, c'est que vous êtes à un niveau qui est excessivement haut pour des amateurs. Il faut réussir à tenir le rythme. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir une équipe à un top niveau ? Parce que vous êtes, alors, bien classé pour deux d'entre vous. Vous êtes deuxième le basket, deuxième le rugby aussi. Alors, le waterpolo, ce n'est pas tout à fait ça, c'est 5e sur 11, mais il y a la petite subtilité qu'il y a certaines équipes qui n'ont pas encore joué autant de matchs que vous, donc ça se tient aussi un petit peu, vous êtes dans la bonne tranche du classement. Comment est-ce qu'on tient une équipe à un tel niveau avec des amateurs ? Vous voulez peut-être commencer ? On ne leur donne pas de dessert, s'ils ne font pas bien les choses, quoi. Non, mais c'est sûr qu'ils sont conscients par eux-mêmes. Jusqu'où ils peuvent aller, ils font attention, je veux dire, c'est des grands garçons maintenant, hein, donc ils savent où sont leurs limites, mais c'est vrai qu'on rappelle un petit peu sur l'hygiène de vie, où il faut aller, jusqu'où on peut aller, mais en général, c'est vraiment indépendamment de leur volonté. C'est pareil de vos côtés ? Vous reconnaissez dans ce discours ? Oui, tout à fait, oui, parce que nous, l'intensité de jeu a énormément augmenté ces dernières années, donc ils font un peu plus attention à ce qu'ils font. D'ailleurs, certains continuent la musculation. Là, on a refait rouvrir la salle de musculation Colovray pour qu'ils continuent une à deux fois par semaine de continuer à s'entraîner et essayer de se maintenir relativement à flot pour la reprise. Et puis on l'a compris de votre côté, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont à l'entraînement. Moi, j'aimerais revenir un petit peu plus sur du terre-à-terre. Donc vous êtes en Ligue nationale A pour le rugby, B pour vous messieurs, waterpolo et le basket. Donc ça représente le nom de Nyon en toute la Suisse. Vous avez reçu, on l'a appris en début de semaine, une charmante enveloppe, alors pas que pour vous, vous avez partagé à 10 une charmante enveloppe de 200 000 francs sur 10 clubs qui représentent Nyon. Et en tout, il y avait 650 000 francs pour ceux aussi qui avaient des juniors. Alors, ce prix représentait les déplacements, les nuitées que vous pouvez avoir, donc les charges que représentent ces déplacements en termes de Ligue nationale. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est ce que vous attendez de Nyon ? Est-ce que c'est tout ce que vous attendez du financier ou est-ce qu'il y a autre chose que vous attendriez ? Clairement, je pense que tout le monde sera d'accord. On attendrait un peu plus. Je pense que chaque club attendait... À quel niveau ? Notamment au niveau financier, d'avoir une aide un peu plus supérieure. Enfin, je pense pas. Je pense que tous les clubs sont on est très contents d'avoir ce qu'on a déjà. Il est clair que si on avait un peu plus... je parle pour le rugby, hein, mais notamment au niveau des terrains, on est en train de discuter d'ailleurs entre la commune et l'UEFA d'avoir deux terrains et de pouvoir démarrer notamment la reprise
reprise en janvier, pas sur un demi-terrain synthétique, mais un terrain entier synthétique. Voilà, ce sont des moyens aussi matériels qu'il nous faudrait un peu, d'entraînement qu'il nous faudrait un peu plus. C'est aussi ce que vous espériez, plus d'accessibilité à l'eau, aux salles, ou bien c'est quelque chose qui est assez facile de vos côtés ? Oui, c'est vrai que les infrastructures nyonnaises nous offrent déjà beaucoup de possibilités d'entraînement, mais c'est vrai qu'on a besoin de toujours plus. Comme vous l'avez dit, on évolue en Ligue nationale, donc sur toute la Suisse, avec une équipe qui reste néanmoins amateur. Et on est obligé, notamment pour la partie aquatique, ce n'est pas un sport naturel. On a besoin de... Ce n'est pas comme si on marchait, courait, qui est quelque chose de naturel pour l'être humain. Nager, ben, ce n'est pas très naturel et on perd beaucoup plus rapidement les sensations et les qualités de l'entraînement se perdent très, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il faut être continuellement en mouvement, continuellement à l'entraînement et continuellement en préparation physique. Donc, concrètement, ça voudrait dire qu'il faudrait quoi ? Une piscine supplémentaire ou bien plus d'heures d'eau ? Ça serait l'idéal, mais je sais que la ville de Nyon travaille beaucoup là-dessus. Il y a ce projet de la piscine du reposoir qui permettrait peut-être d'avoir la piscine du rocher de façon plus importante et conséquente. Donc ça, c'est un point positif. Mais aussi, pour revenir sur la partie financière, donc des subsides que la ville de Nyon nous a remis, on remercie bien évidemment le service des sports de la ville de Nyon et la ville de Nyon tout simplement, parce que c'est néanmoins une somme qui nous aide, qui nous permet de fonctionner, de se développer. On reste un sport très très amateur à ce niveau-là et pour nous d'avoir reçu 25 000 francs pour les garçons et un petit peu moins pour les filles, c'est toujours un élément qui est fondamental et qui nous permet de pouvoir nous construire, nous développer, aussi bien sur la partie technique des entraînements que sur la partie humaine aussi des entraînements avec des personnages ou des coachs qui ont une très très grande expérience. Et puis de votre côté, ce serait aussi ça, obtenir plus facilement les salles. Est-ce que vous avez accès suffisamment aux salles à votre goût ? Ou bien est-ce que ce serait encore autre chose dans le fait de voir peut-être plus les autorités à vos rencontres ? Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je pense que le service des sports, la municipalité fait de plus en plus d'efforts et vraiment est à l'écoute des clubs actuellement. On voit beaucoup plus d'ouverture sur nos demandes. C'est toujours le problème de l'infrastructure. Je rejoins mes collègues, ça on l'aura... toujours tant qu'on n'a pas plusieurs sites qui permettront au club de se semi-professionnaliser. Mais c'est vrai qu'on doit aller plus loin dans la recherche aussi des bénévoles. Peut-être qu'on devrait développer une aide entre guillemets sociale dans ce domaine-là, pas que le côté financier et infrastructure. C'est aussi peut-être au niveau des bénévoles qu'on voit gentiment disparaître. Et puis, bon, alors on a parlé donc des surfaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors le water polo est voisin de tout le monde ici. C'est-à-dire qu'en été, vous êtes voisin du rugby parce que vous vous trouvez à Colovray. Et pendant la période hivernale, vous êtes voisin au Rocher. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que donc, vous vous retrouvez sur ces lieux. Il y a toute l'offre qui se reflète, toute l'offre de la ville de Nyon, quasiment toute l'offre de la ville de Nyon qui se reflète. Est-ce que c'est de la concurrence pour recruter du public, des bénévoles et des juniors, ou bien est-ce que ça développe une solidarité entre les clubs ? C'est du bon voisinage ? Oui, clairement, c'est du bon voisinage. Après, il en faut pour toutes les couleurs. Je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'on prend le public du rugby ou du water polo. Après, c'est, je crois, aussi des horaires qui sont décalés, donc ça ne pose pas de problème. Non, je pense qu'on fait bon voisinage, il n'y a aucun problème. Et puis, ça aide pour recruter des jeunes ou bien ça aide pas ? Parce que les jeunes, du coup, ont le choix de voir ces sports. Je dirais qu'à la limite, c'est bien qu'il y ait un panel de sports qui soit important à Nyon. Parce que je crois qu'il y a énormément de sports à Nyon. Ça donne beaucoup de choix aux jeunes de venir faire le sport qu'ils aiment. Et ça va encourager ceux qui n'avaient pas l'intention, c'est notre avis, mais pas l'intention de faire du sport, de faire que ce soit du basket ou du water polo. Mais d'avoir le choix permet d'encourager les jeunes à faire du sport. Et rien n'empêche après les joueurs de passer d'un sport à l'autre. Nous, on a des joueurs qui viennent du foot. On peut avoir des joueurs qui viennent du basket. On aimerait bien, sûr. Il y a quelques beaux morceaux qu'on aimerait bien récupérer. Mais ça encourage le sport. Du moment que le sport est encouragé, c'est une bonne chose pour tout le monde.
Vous partagez cet avis ? Oui, absolument. Je crois qu'il y avait d'ailleurs un projet très récemment de pouvoir s'entraîner conjointement avec les rugbyman et donc qui viendraient s'entraîner avec le water polo et inversement. C'est un projet sur lequel on doit aussi se développer et travailler. Mais en tout cas, ce qui est sympa à Nyon, c'est que, comme c'est une petite ville, moi j'ai l'impression d'être un peu dans un cocon comme un centre de sport. Moi qui ai fait l'INSEP à l'époque, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans cet élément où on a la possibilité de côtoyer nos homologues, tout simplement, ou nos collègues sportifs. Et ça, je trouve plutôt sympa. On n'est pas noyé dans la masse et noyé dans une grande ville. Et ça, à Nyon, il y a quand même un service des sports j'allais dire, une interactivité entre nous qui est quand même très, très sympathique. Et ça aide ? Pour les jeunes, pour revenir sur ma question, ça aide à retrouver des jeunes ou bien c'est justement ça qui rend difficile pour trouver des nouveaux basketteurs, des nouveaux poloïstes, des nouveaux rugbyman ? Parce qu'il faut quand même, pour pérenniser un sport, il faut avoir des jeunes. Oui, donc qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est plus peut-être en interne et avec l'aide, à mon sens, des infrastructures scolaires aussi, où on peut aller récupérer des enfants, et puis notamment sur des sports qui sont assez similaires, comme les nageurs, par exemple, au Cercle des nageurs de Nyon, vous savez, il y a trois sections, il y a le triathlon, les nageurs et le water polo. Donc il y a vraiment une belle entente entre nous et une forte interactivité parce qu'il y a des jeunes qui forcément ne vont pas vouloir continuer à nager, donc ils sont basculés sur le polo et inversement. Et ça, depuis maintenant 2 ans, nous travaillons très très fort à ce niveau-là et on a eu depuis 2 ans maintenant un peu plus de 70 enfants qui sont au water polo et on a cette école de water polo maintenant qui fonctionne très très bien, garçons et filles d'ailleurs, donc c'est plutôt sympathique. Vous partagez cet avis ? Oui, je pense aussi qu'on est lié à l'effet de mode. On voit pendant les Jeux Olympiques un sport qui fonctionne bien, ça va amener les jeunes à s'intéresser, à s'inscrire. Donc il y a aussi ce domaine social qui interagit dans les décisions des jeunes, dans leurs choix. Non, il y a effectivement les chez nous, on a eu une recrudescence d'arrivées après la Coupe du Monde de rugby. On a eu aussi une recrudescence d'arrivées après le titre de champion 2016 d'Union Rugby. L'équipe première fait beaucoup pour attirer, les résultats de l'équipe première font beaucoup pour attirer du monde dans un club. Nous, on a une politique aussi, on a un directeur technique, Patrice Philippe, qui fait la tournée des écoles pour faire des initiations de rugby. Et sur le lot, on a, je crois qu'il a fait, il a eu 1000 ou 1500 enfants à qui il a fait une initiation de rugby l'année dernière. C'est sûr que sur le lot, il y en a quelques-uns qui viennent jouer et frapper à la porte d'Union Rugby, ça c'est clair. Et puis, donc on a parlé des jeunes, mais il y a une autre chose qui est intéressante dans vos sports, c'est les féminines. Vous avez le point en commun d'avoir tous des équipes féminines, mais la subtilité, c'est que vous êtes le seul à avoir une équipe féminine nyonnaise. C'est-à-dire que vous, c'est le BBC Nyon, et de vos côtés, vous avez l'entente Mermigans, qui est donc une entente entre Nyon et Montais, pour les féminines. Et de votre côté, alors vous avez une équipe féminine, mais vous avez aussi en U20 une entente entre Nyon et Bâle. Donc j'aimerais savoir c'est quoi comme investissement qu'on fait ? Est-ce que c'est un sacrifice qu'on fait pour avoir des féminines ? Ou est-ce que c'est une aide ? C'est quoi ? Le facteur féminin est fondamental, notamment dans le water polo, où c'était un sport très masculin, un peu comme le rugby d'ailleurs, à tort. Puisqu'il y a aussi des rugbyman women, si je puis dire. Et donc, dans le water polo, pour nous, c'était fondamental d'avoir une équipe féminine nyonnaise. Et c'est vrai que nous avons, tout au début, collaboré avec des équipes comme Bâle, qui se retrouvent à l'autre bout de la Suisse, ou à l'autre bout de Nyon, si je puis dire. Et vous avez Genève, Lausanne également, Vevey, qui nous ont fourni des joueuses et qui fonctionnent sous l'égide de Nyon. Et aujourd'hui, on a quand même plusieurs filles en équipe nationale U20, U17, et on a surtout 3 filles en équipe nationale élite, qui ont été d'ailleurs récemment convoquées à Ancona, en Italie. Et pour se qualifier pour l'Euro 2018. Absolument, oui. Voilà. Qui travaillent maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, sur ce projet, cet objectif qui est les championnats d'Europe 2018 à Barcelone. Et nous avons en plus la chance d'avoir
le nouveau sélectionneur des équipes féminines qui est basé à Lausanne maintenant, et dont l'assistant est aussi un des coachs de l'équipe de Lyon, Claudio Cecchetti. Et donc ça joue aussi dans la balance, parce que vous savez que la Suisse, c'est un petit pays, mais qui est très large. Hein, et malheureusement, les sélectionneurs, quand ils sont en Suisse italienne ou en Suisse allemande, n'ont pas forcément la visibilité et la lisibilité des joueurs suisses romands. Donc c'est l'avantage d'être en Ligue nationale, d'attirer les yeux de ces sélectionneurs. Absolument. Pour les féminines. Absolument. Alors, nous, c'était faute malheureusement de combattantes. L'idée était quand même d'avoir une équipe féminine à Lyon qui était les Mermaids, nos jolies sirènes. Et faute de combattantes, on a dû malheureusement faire une entente avec Monté pour monter une équipe et maintenir une équipe de rugby féminin. Il est clair que si plusieurs candidates viennent, on va peut-être revoir la position. D'accord. Et puis vous, elle se porte passablement bien, elles sont en Ligue nationale B. Moi, j'aimerais juste revenir, avant de clore le tout, j'aimerais savoir vos objectifs à chacun, assez rapidement. L'objectif du club pour cette année, c'est quoi? On va vous laisser la parole, vous n'avez pas parlé depuis un petit moment. L'objectif, pour le club en général, c'est surtout d'amener des jeunes à gravir les échelons, à pouvoir s'aguerrir dans leur catégorie pour pouvoir aller le plus haut possible. Bien sûr qu'on ne va pas freiner les jeunes à rester dans notre club, et s'ils ont la possibilité de partir pour mieux s'épanouir, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que l'objectif du club, c'est de former depuis des années ces jeunes et de les amener au plus haut niveau. Après, par rapport à la première équipe, c'est clairement le titre, on l'a déjà dit, mais pour ça, il faut faire un amalgame entre la formation, l'expérience de certains et puis les objectifs internes du club. Et puis le titre, je pense que ça devrait aussi être pour vous un objectif, vous qui êtes champion suisse en titre. On aimerait bien revivre ce qu'on a vécu en 2016. On est encore en lice pour 3 titres, parce qu'on a encore le championnat de Liga, la Coupe Suisse et le championnat de l'équipe 2 en excellence 1, où l'équipe 2 est première. Donc si on arrive à avoir les 3 titres, ce serait exceptionnel. Un peu moins pour vous et les studios de NRTV, mais on arriverait à... Non, l'objectif, c'est bien sûr de regagner à nouveau, parce que c'était une chose exceptionnelle. Et puis, de votre côté, du waterpolo? Nous, notre objectif, c'est d'être maintenant dans le haut du classement du championnat, ça c'est certain, mais toujours de continuer notre construction avec nos jeunes, ce qui a été mis en place là depuis quelques mois. Ça fonctionne très très bien. Il y a un juste équilibre entre les jeunes joueurs et les joueurs d'expérience. Et puis, pourquoi pas, avec ce que nous avons mis en place comme structure, comme travail, comme résultat également depuis le début du championnat, qui est très très prometteur, pourquoi pas jouer les play-offs. Donc, Lyon sera en tout cas une équipe à battre cette année, ça c'est certain. Et on l'a prouvé durant ce début de championnat. Et il faudra compter avec Lyon cette année, ça c'est certain. Ok, alors de beaux objectifs, 2 titres à attendre, et puis, et puis voilà, un troisième titre, une promotion. Soyons fous, ce n'est pas un objectif en soi là, cette année, mais en tout cas, on travaille pour être les meilleurs et il faudra compter avec Lyon Waterpolo, ça c'est sûr. Alors, avant de se quitter, je pense qu'on peut se mettre d'accord, si le Père Noël nous écoute, plus d'infrastructures à Lyon. Oui. Plus d'infrastructures à Lyon, je pense qu'on est d'accord. Alors messieurs, je vais vous souhaiter tout de bon pour la suite de votre saison. On va vous suivre bien évidemment. Bonne continuation, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Alors, le sport, c'est fini pour aujourd'hui, mais NRTV Fait Son Sport sera encore là pendant la pause. Vous retrouverez bien sûr une série de nos meilleurs reportages de l'année. Alors moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez bien sûr nous suivre encore sur les réseaux sociaux et sur www.nrtv.ch. Merci à vous. Bonne fête, bonne année, pleine de sport. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.